Et bonjour, bienvenue pour cet épisode 11 notre let's play sur Shadow of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien. On est parti. On est parti pour la suite de la quête principale, hein, puisqu'on était lancé là-dessus. Tout est plein. Yes. Je peux plus rien prendre. Donc on est lancé, on va continuer. C'est parti. Ouais, c'est bon, c'est de l'eau. Alors, est-ce qu'il y a des créatures marines? Type anguille, piranha. Est-ce qu'on peut les tuer d'ailleurs? Je pense pas du coup. J'imagine que même si j'essaye de tirer dessus sous l'eau, ça marche pas. Là, je pense que je reviens en arrière. Donc l'intérêt me paraît limite. Là, je reviens complètement en arrière. Donc l'intérêt est dégueulasse. Ok. Non, non, mais... Pourquoi elle a sauté là? Pourquoi elle a sauté sur le côté? Lara. Putain, secours. Ok. Y'a quoi en bas? Y'a un truc en bas, vous pensez? Non. Non, ça doit être juste si tu rates ton saut. J'imagine. Non mais attendez. Ouais, là on peut revenir. Ouais. Bon, on a l'air de pouvoir faire demi-tour. Donc j'imagine qu'on devra faire demi-tour à un moment donné. J'imagine. Est-ce qu'on devra le faire en étant rapide? Ça c'est la question que je me pose. Est-ce que tout va s'effondrer autour de nous? Encore. Toujours. Jonah, la vue est fantastique ici. La cité perdue doit être tout près. Lara, j'ai réussi. Je te rejoins bientôt. Jonah? Merde. Non, on n'a rien à dire. Très bien. Bah, nouveau feu de camp. Effectivement, c'est plutôt joli. Il y avait pas un truc? Non, j'ai déjà looté. Ok. Ah mais hein? D'accord. Donc avec le, je peux agripper ça. Let's go. Ah ouais, non mais. Yes. Allez, c'est parti hein. Ok. Faut que je fasse plus attention. Non mais... Ah ouais, d'accord. Ouais, donc enchaîner, c'est pas toujours la bonne solution. C'est bon. Oh, c'était chaud. Ah, c'est marrant comme face. J'ai bien aimé. C'est marrant. Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse revenir. Ah ouais. Non, on avait dit C. Ouais. J'ai raté. Ah, salut. Non, ça on s'en fout. Non mais on s'en fout de tout ou comment ça se passe? Ah mais non, il y a de l'or là. De l'or. Allez. Paf. Ok, alors. Voilà, là on a plongé. Ok, il y a encore de l'or là. Il y a un truc là. Non, c'est juste... oui, c'était le passage. Ah non, c'est de la jade. Nice. Des minerais de jade. Nickel. On peut remonter, hein. Non, ça se loot pas, ça. Super, j'ai juste utilisé une flèche comme ça. Yes. Je l'avais peut-être déjà fait en plus, hein. C'est ça le pire. Mais je vous avoue que je finirai par apprendre un jour. La cité perdue. Trouver le serpent à l'œil d'argent. Je crois que je l'ai trouvé, la cité perdue. Je pars à la recherche du serpent avec un œil d'argent. Ok. Ça ressemble pas forcément à ce à quoi je m'attendais. Je vous avoue. Mais pourquoi pas? Ah mais... Coucou. Ah non, on touche pas, on va pas toucher au lama. Oh, je peux même pas y toucher de toute façon. Ah bah voilà. Donc de toute façon, même si j'avais voulu, je ne l'aurais pas pu. Non mais déjà qu'on va tout casser, autant éviter de déranger les... déranger plus les choses en tuant les lamas. On sait jamais. Causer des problèmes. Après si tout se casse, est-ce que le lama il s'en sort? Bon. Il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs ici. Ah par contre le lapin. D'accord. Mais non mais... Donnez-moi cet ascenseur à cordes là, ça fait 12 fois où j'en ai besoin. Me dites pas que c'est là d'où je viens, hein, parce que si c'est le cas, c'est grave. Hein. Non c'est bon. Attendez, par contre je suis complètement perdu. Oh, y a un loup. Comment ça, y a un loup? Non bah attendez. Y a des loups Oui, vous me direz, oui. Ceci dit, oui en fait. Pourquoi pas. Ça, je suis full. Ouais. Bon, ils sont où les... Voilà. Les minerais. C'est de l'or, hein? Oui, c'est de l'or. Ah, quoique. Je sais pas, mais je crois. Yes. Ah non, mais ça, c'est par là en fait la suite. Je comprends pas. Oui, enfin... Dans cette direction, il y a potentiellement la suite, donc on n'y va pas. Vous savez... petit à petit. Non, surtout, j'ai envie d'explorer. Non, mais ça me sert à rien, je crois que j'ai pas besoin de plumes. Ouais, peut-être que si, mais bon, tant pis. Non, je suis full. Yes, c'est gratuit, on prend. Hein. Bam. Peut-être qu'il y a un tombeau là. Oh, ah ouais. F. Yes. Les quitter eux. Yes. Allez, sale bait. Ah mais attendez, je reviens là en plus. Oh là là. Mais non mais ça a sauvegardé mes minerais. Oui. Ah il y a un truc là. Ah ah. Ouais. Mais non mais tire au bout d'un moment. La première fois, bon ok mais... Parce que j'étais pas sûr. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était... Voilà. C'est ça. Ta 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 ta. Non! Non, le QTE, non! Bah non. Ah yes, dompter le QTE. Ah, il faut reprendre ce chemin, refaire ce chemin. Je peux passer par là? Yes. Vous voyez, ça servait à quelque chose de faire le chemin. Bon, les coyotes là, ou je sais pas quoi, les tanuki, non. Sale bait, hein. Bah. Pourquoi vous allez à deux à l'heure? Pourquoi vous êtes animé sur deux frames? Ça y est? Ah, oh, je pense que ça doit aller les tuer au fur et à mesure. Bon bah ok. Sale bête. Hein. Du coup le QTE... pas compris. Ok, bon on a des trucs, cage de survie, cri... Ah, crypte! Crypte, incroyable. De l'argent. Ok. Ouais bon d'accord, ça les a tués au fur et à mesure. Bon. Ah mais du coup j'ai pas les loots. Hein. Eh oui, du coup j'ai pas les loots de ceux que j'ai tués avant. Tout est plein. Oui. Je peux plus rien prendre. Non mais ouais le QTE hein, QTE qui m'a mis 100 zéro. Ok bon de la peau rare. Ah mais c'est qu'un seul qui m'a looté de la peau rare, ok. Ok ok. Bon alors, comment on va là? Y a un truc là ou pas? Non. Juste une maison cassée. Comment on va là? Ah. Comment est-ce qu'on puisse hisser une corde là? Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Je serais tenté de dire qu'il faudra passer par en haut. Qu'est-ce qu'on peut contourner à un endroit quelconque? Alors qu'on est de retour ici, on n'a pas tout fouillé non plus. Ah mais là il y a 12 000, oh là là, au secours. Ah oui non mais là, voilà, là on avait vu. Il y avait le truc avec le lama qui était pas loin. Là on peut pas rentrer là-dedans. On peut pas rentrer là-dedans, j'ai l'impression. Ah oui mais attendez, il y a toute une partie en hauteur, il y a ça. Oui en fait, fait A sinon. Page en journal. J'ai dû abattre la dernière mule hier. Elle s'était cassée la jambe. C'est terrible, terrible. Mais je crois que je l'ai trouvée. Ce village abandonné doit être Z, évidemment. Si seulement père était encore en vie. Je vais passer la nuit ici, et demain, je commencerai à explorer plus sérieusement le site. Le monde saura que c'est Fawcett qui a découvert la cité perdue. Yes. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ouais. Ouais, super. Ça serait temps qu'on me le donne ce truc. Hein. Bon, monte. Montons. Prenons de la hauteur. Oh putain, au secours. Parce que ça, c'est le truc qu'on n'a pas encore beaucoup fait ici. Prendre de la hauteur. Ok. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Ah! Non, même par en haut, on peut pas rentrer là-dedans. Vraiment un troll cette maison. Ah, bah ouais, mais attendez, oui, par là. Par là, ça mène peut-être à l'endroit qui m'intéresse. Yes! Nickel! Alors déjà, oui non mais ça c'est que des plantes donc on s'en fout. Là on fait ça. Paf. Donc non il fallait pas venir du haut. Enfin, pas venir de là-haut. Parce que c'est ici justement qu'il y a un truc qui nous intéresse. Ah bah c'est ici la crypte non? Je peux plus rien prendre. Et du coup il doit y avoir la... Ah non, la cache elle est plus loin. Oui le saut de l'ange, on va faire la crypte avant. Hein? Yes. Oh, attention, il y a un piège. Alors du coup, on m'a dit, si je fais ça, d'accord. Ouais, c'est quand même plus marrant de sauter au-dessus. Hein. Mais on peut faire ça, effectivement. D'accord. Je crois que ça s'effondrerait, mais non. L'eau a l'air assez profonde. Oui, alors non. Tu attends. Réfrène tes envies de sauter et explore. Puisse Shuki avoir eu le temps de nous tisser une tunique dans la plus belle laine, lorsque viendra pour nous le temps de rejoindre l'au-delà. Shuki. Pourquoi Shuki il n'est pas écrit de la même façon en haut et puisse Shuki? Question sans doute sans importance, hein. Mais alors ça, j'ai vu que c'était. Qu'est-ce qu'il y a? Comment je fais pour passer aux flèches de feu? Ah, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Non. La réponse est non, du coup, vu que la flèche est passée au travers de la porte. Oui, alors on aurait pu y aller peut-être en sautant. Mais visiblement non. Parce que... Ah! Bon, on va passer par là. Hein. Moi, ça m'inspire cet endroit. D'accord. Non, le saut de l'ange... Pas tout de suite. C'est peut-être une crypte où on enterrait les nobles. Alors, les sous-titres me paraissaient pas correspondre complètement à ce qui était dit, mais... C'est une sorte d'oraison funèbre pour les gens qu'on a placés ici. Ok. Petit poisson? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est de... Ah, moi je croyais que c'était de la jade. Hein? Bonjour. Ah ouais, d'accord. On va prendre de l'air avant de replonger. Pas l'impression qu'il y ait d'autres trucs. Donc là, on peut redescendre. Paf. Alors sous l'eau, je préfère utiliser ma vision de l'aigle le plus souvent possible parce que... Enfin, mon instinct de survivant. Tu peux remonter là? Ouais, non. Ouais, non, c'était un bait. Oula, la lumière. La lumière. Non, il n'y avait rien là. D'accord. Ah, on peut se cacher là. Non mais... Ah non, tu peux pas faire E ici. Oh, je me suis fait bait. Je me fais bait. Elle va se noyer, je me fais bait. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh! Un nouveau truc. Le Yucatec. Ce sont le roi et la reine de Mictlan, le 9e et dernier niveau de l'au-delà dans la mythologie aztèque. Mictlantecuhtli était le principal dieu de la mort. On le représentait souvent comme un squelette avec des yeux dans ses orbites, et il avait la charge des âmes des défunts. Son épouse Mictlancihuatl était la déesse de la fête des morts, ancêtre des traditions modernes du jour des morts. C'est marrant, celui de droite, on dirait qu'il te regarde à chaque fois. On dirait que son regard est vers toi quand tu le tournes. L'autre non, l'autre ça va. Bon, lui là, il a l'air juste celui de gauche. Ça va, il a l'air chill. Très bien. Ok, bon, on a encore une... On n'a pas tout découvert. Monolithe Yucatec, ouais bah du coup j'imagine que... Voilà, pour l'instant je vais rien pouvoir faire. Oui, non c'est pas ça. Pourquoi il m'a parlé de monolithe ce petit bâtard? S'il me parle d'un monolithe c'est qu'il y a un monolithe pas loin. Non mais on a dit qu'on saute, on a dit qu'on... Nous on fait les kekos. Ok. Point de compétence. Et... Ah, une carte. Oh là là, au secours. Au secours. Non mais... Hein? Pourquoi monolithe? Pourquoi cette zone-là, elle m'est grisée, alors que c'est la zone que je connais, normalement. C'est la zone du village, si je dis pas de bêtises. Attends, quoi que non. Ah bah non, elle est là la zone filage. Donc non, il est là le monolithe. Il est où le monolithe? Il y a un monolithe normalement quelque part auquel on pouvait pas, on n'avait pas encore assez de connaissances. Voilà, il est là. D'accord, donc c'est pas le même. Au secours. Au secours, c'est grand. Alors là on a pris un chemin, mais il y avait un autre chemin, non? Il me semble. Hein. Ouais, bah de toute façon ça tombe bien. C'était le chemin optionnel. Et ça me va. Ah oui, attention le piège. Attention, it's a trap. Ah! Et là, comment je fais? Ah ok, c'est bon. Ça va. Pas besoin du fusil à pompe ou d'un ascenseur à cordes ou je sais pas quoi. C'est bon. Ok. Let's go. Ça on a... ouais, on a tout intérêt à remonter assez rapidement. Voilà. Point d'intérêt, elle est belle. Quelqu'un d'autre est passé par ici. Ah. C'est Fawcett. Ça se trouve, c'est Fawcett. Couteau renforcé. Il manque trop de trucs. C'est terrible. On va peut-être acquérir le couteau renforcé ici. Ce serait bien. Je crois moyen, mais ce serait bien. Quoique. C'est bien ça que je cherchais. Peut-être. Oui, mais attends. D'accord. Bon, on verra après. Pour la suite, on verra après. Très bien. Et on ouvre. Botte de manco ancestrale. Permet de se dissimuler lors de la chasse. J'ai pas tout lu, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais c'est pas grave. Ok. Alors par contre, découvrez les secrets de 4 anciennes cryptes Paititi. Problème. Le problème, c'est que du coup, vu que j'ai pas tout, il faudra que je revienne ici pour tout compléter. Ça, c'est insupportable par contre. Ça, je ne le tolère pas. Mais ouais, hein. J'ai pas le couteau renforcé, donc je peux rien faire. Donc j'espère que je vais débloquer un raccourci qui me permet d'être vers là, parce que sinon, sinon j'avoue que c'est pas glop. Je peux plus rien transporter. Et là il me faut le couteau, non. Là j'étais soft-lock par le jeu, j'étais pas censé aller ici. Mais non, quand même, pas déconner non plus. Ah, ok. Ah bah oui. Là on a fait, on l'a pas fait, mais on aurait pu faire le saut de l'ange. Je sais pas si je laissais des pièges. Ah bah oui, non, il y avait un piège là, mais on l'a désactionné. Okay. Très bien, et donc là, hop. Non. Non mais c'est pas grave, la corde en fait on connaît. Exécuter tous les grands... Ah. Oh, il y a un défi comme ça en plus. Yes. Donc on aurait peut-être dû sauter dans le trou. Ouais mais il y a un autre truc. Oh bon c'est pas grave. Au pire, pire c'est un truc secondaire. Bon l'objectif il était par où? C'était par là. Ah oui bah oui. On entendait du bruit mais... Effectivement. Alors, attends. Attends parce qu'il y a une cage de survie pas loin là. Bon on va dire que c'est par là. Bonjour. Ça va? Je peux vous aider. Va-t'en, t'as rien à faire là. Écoute, je sais que ça fait mal, mais... Trinitaires. Merci. Wendell! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais des recherches. Lara Croft. Ils vont revenir. Nous devons nous cacher. Emmenez-la. Sympa comme accueil. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es mon héritier. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Sans ton imprudence, cette femme serait-elle ici? Mais tu es sain et sauf. Si tu n'es pas du culte, comment nous as-tu trouvé? J'ai trouvé une carte dans un temple. Je m'attendais à des ruines, pas des gens, ni rien de tout ça. Le culte, pourquoi s'en prendre à votre fils? Je reconnais cet emblème, c'est celui des Trinitaires. J'essaie de les arrêter. Tu sais ce qu'ils cherchent à faire? Ils veulent trouver un artefact. C'est une sorte de boîte liée à la déesse de la Lune. Qu'est-ce que tu vas faire? La voler? La vendre? Non. Je dois empêcher les Trinitaires, le culte, de s'en emparer. Ils sont trop dangereux. Pourquoi? Pourquoi tu les détestes? Ils ont tué mon père. Est-ce que je peux vous montrer ceci? Vous savez ce que c'est? C'est Paititi. Et tu y es. Paititi, la cité perdue. Et cet œil alors? C'est un lieu de mort et de sacrifice. Tu penses que ton artefact est là? Oui. Personne n'en est jamais revenu. Je veux bien essayer. Tu prendrais ce risque pour arrêter le culte? Oui. Amenez-le. Jonah. Est-ce que ça va? Tu connais cet homme? C'est mon ami. Et Abby? Ça va. Qui d'autre te cherche? Personne d'autre. Je crois que nous cherchons la même chose. Nous t'amènerons au serpent à l'œil d'argent, mais ton ami reste ici. Tu n'iras pas bien loin si tu nous mens. Et lui, il le regrettera. C'est vraiment pas nécessaire. Ça va aller. Je t'attends. Etzli. Donne des habits à cette femme. Ushu, tiens-lui compagnie. Je fais aussi vite que possible. Ok. C'est très beau ici. Silence. Ça doit lui changer du bar, hein. Ok. Bon, nouvelle ville. Nouvel amas de quêtes. Est-ce que c'est normal que Lara, elle ait la même tenue que la reine, du coup? Que je connais pas votre nom. Pardonne-moi. En tant que chef des rebelles, je me dois d'être prudente. D'accord. Je suis la reine légitime, Unuratu. Etzli, j'attends toujours ton rapport. Oui, mère. J'ai vu quelque chose ce matin. Oui. J'ai vu Akan qui discutait avec son voisin. Il avait l'air en colère. En me voyant approcher, ils ont arrêté de parler. Et puis ils se sont mis à rire comme s'ils plaisantaient. Ils préparent quelque chose. Bon travail. Merci, mère. Hey. Comme tu peux le voir, rien n'est secret très longtemps à Paititi. S'il te venait à l'idée de dévier du plan... Vous le sauriez tout de suite. Je comprends. Elle est ici pour m'aider à retrouver quelque chose que j'ai perdu. Ne t'inquiète pas pour ça. Est-ce que mon père était aussi éclaireur à mon âge? Il était chasseur. Est-ce qu'il était féroce? À l'occasion. Mais il était surtout très beau. Ah non, je suis désolé, hein. Par contre... technique agricole introduite par le culte de Kukulkan du loup devant le nez. Ne menait à rien, si ce n'est à la destruction des récoltes. D'abord, les colonies d'abeilles se sont effondrées, puis les cacaotiers sont morts. La terre est trop abîmée pour que quoi que ce soit ne pousse, mis à part le maïs, et encore, les épis sont fragiles. Il est urgent d'agir, ou une terrible famine s'abattra sur Paititi. Mène-toi si tu veux. Quand tu seras prête à retrouver la boîte de son... C'est l'arère traditionnelle encore utilisée de nos jours dans les Andes, même hors de Paititi. Parfois, les meilleurs outils sont les plus simples. Wally, tu es là. Majestech. Kalanbil, où est Unuratu? Mahashnatsi kaba jignal, leuach batelilop balam, mantats hachtan ujiliko joksal, wayambash kusholal, tsokole minanu chaikob otzilil. Tiletijan, kenetin wila. Tsokistaki, tasata walebashalo. Est-ce que tu vas bien? Ah, par contre, j'ai perdu la reine. C'est un mort qui a pris tes dés? Tu les as pas perdus? C'est vrai, tu as raison. Tu sais quoi? Je vais faire très attention, et si jamais je croise Pisco le mort, je lui demanderai tes dés. Ce serait pas la première fois que les morts s'adressent à moi. Dis pas ça à un enfant comme ça, Lara. Trouvez Bisco le mort. Très bien. Non mais elle est où la reine? Je l'ai perdue. Bon ça va, j'ai le droit de me balader en fait. J'avais la pression, j'étais en mode ah il faut à tout prix que... Bonjour. Splendide. Ça va, j'avais peur que je me fasse engueuler, qu'il fallait que je la suive trop près, non ça va. Ok, bon, j'essaie de me placer pour que les sous-titres soient le plus lisibles possible du coup. Ouais, et bon, la reine en vrai... je sens qu'il va lui arriver quelque chose, mais j'en sais rien, hein, mais bon... Mais dis tiens, peut-être un schéma à reproduire entre Étienne et sa mère et Lara, sa famille. La reine Unuratu. Tout va bien, ne vous en faites pas. Ah ok, voilà, marchand. Marchand. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais d'accord, ils vendent des pots de bait. Très bien. Amélioration du couteau. Affûtez la lame pour, votre lame pour débloquer une nouvelle capacité. Sac à dos. Non mais niquez-vous. Mais niquez-vous en fait. Pourquoi je veux tout prendre? Pourquoi il faut que je... Saloperie. Bon alors, le minerai de jade. Allez, hop là, vendre. Si jamais ça sert à autre chose, je suis dégoûté. Mais on va partir du principe que non. Allez, donne ça et donne ça. Voilà. Salut. Bon. Ah, oh. Et toi, est-ce que t'as des trucs différents à dire? Un tribut à qui? Oui, je comprends. Mais ils vendent d'autres... Oh là là, ils vendent d'autres trucs. Bon bah c'est bien du coup hein, qu'ils vendent d'autres trucs, mais... Et du coup ils vendent... Mais c'est quoi ces prix? Yes, un arc en bois de serpent, un arc atlatl, un carquois de chasseur. Ça serait bien en plus. Hein. Oh, ce serait trop bien. Hein. Mais on peut rien vendre. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut vendre des trucs en vrai? On peut vendre le bois, hein, mais je suis pas sûr que. Ah yes. Non mais. Non mais tant pis, on ira te voir plus tard et on achètera les carquois. Hein. Ouais. Ça c'est fait quoi? Procure une protection contre les attaques à distance. Collecter plus de ressources animales provenant de toutes les sources. Bon ça c'est des flèches, ok. Ah, ça va hein. Il se met bien lui hein. Toi on t'a déjà parlé. Hop, ça je prends. C'est un lama. Ah, on peut pète le lama. Non mais... Vas-y, je veux pète le... Mais... F. Presse F, tout pète le lama. Est-ce qu'il y a une chance qu'il te crache à la gueule? Je peux le faire à l'infini du coup? Ah ouais. Attendez, je veux repète le lama. Si je suis... Est-ce que si tu le fais 3 Est-ce que si on le fait 3 fois... 12 fois, il y a un succès. En vrai, je vais au moins le faire 3 fois. Mais il n'y a pas de succès pour 3 fois. Ouais. Bon, 4. Non, bon, on arrête. On va arrêter de péter le lama. Fait marrer le bruit que ça fait quand même. Et on peut péter tous les lamas ou pas? Non. Ça y est. Est-ce que j'ai le droit... Non, j'ai pas le droit de sortir mon arc en public. Je préfère vérifier. Et du coup, on peut prendre de plus de tout. C'est terrible. Bonjour, je fais que passer, excusez-moi. Je pille un peu vos ressources, je récupère tous vos documents et tout ce qui peut m'être utile, mais je fais que passer. Ok, un point de compétence. On en a... probablement 2 ou 3 là. Je crois. Ah, yes. Yes. Tab. Non, trop tôt. La procession arriva à l'embranchement de 2 fleuves et décida de s'y installer. Ils bâtirent 2 pyramides et commencèrent leur nouvelle vie de protecteurs de la boîte. La boîte... Sinon on me dit que j'ai 12 milliards de trucs. Ah mais comment ça j'ai une relique à côté du marchand là? Oh non. Oh non. Bon, on va essayer de... Bonjour. Yetel tulakal kasil, balyan tu bakpacho, kutukultike, helubeita luyalikten, helbashake, helo, tupetaj juntulmash, kuman yiknal, mishpikin insute kuchilukonolo, behlae, chenkin meyaj konol tekiwiko. Yes. Une vie classique. Finalement. Ah, j'ai entendu un lama. Bon, il est où le... C'est où? Excusez-moi. Hein. Oh, le poulet. Oh, mais... Secours. Yes. Attends, ah voilà. Non, toujours pas. Elle est où la relique? Elle est où la relique? Ok. Yes. Cette pipe ouvragée est sculptée à l'effigie de Xiucoatl, un esprit serpent aztèque peint de vert, de bleu et de jaune. Ses flancs sont ornés de pierres semi-précieuses et le jade ici dénote une certaine influence maya. Arrête de faire tling. Le foyer sent encore la fumée et les racines brûlées. Ce n'est pas désagréable. Ok. Alors si on traverse... Si on traverse où? Si on là hein? Secours. Ah oui, là. Il y a un truc. Ah! Mais il y a problème. Oh, ok, le scénario. Qu'est-ce qui se passe? Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde. Quoi? Ça... me rappelle quelque chose. Le voilà! Est-ce que ce serait pas Dominguez? Bah si, hein. Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Regardez! L'instrument de notre unité et de notre salut! Bientôt! Nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés. Il l'appelle déjà Kukulkan, mais son vrai nom est Amaru. Il est né ici, mais il a grandi auprès d'étrangers. Les gens lui font confiance. Mais pas vous. Mon mari, Sahiri, était son frère. Ils n'étaient pas d'accord sur l'avenir de Paititi. Mais Sahiri est mort, et Amaru s'est dévoué au culte. Vous avez vu la tempête. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Je vous promets que Paititi va bien survivre. Et elle sera prospère. Je le connais bien. Si Amaru réussit, ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce paradis. Les rebelles seront écartés. Sauf s'ils ne trouvent pas la boîte. Oui. Nous devons la trouver avant lui. Peut-être qu'Amaru pourra encore trouver l'amour. Et la raison. Mort aux envahisseurs! Le châtiment viendra! Akan! Assez! Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. Nous obtiendrons bientôt justice. Je t'interdis de mettre en péril notre rébellion. Etzli, pars devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est la dernière fois. Va-t'en. Suis Etzli. Ta tenue ne trompera pas longtemps ses gardes. Promis, je trouverai la boîte. Tu devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Hum. Amaru commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. Ouais, mais moi dans tout ça... Jonah, tu me reçois? Ouais, on a installé un camp avec Wushu, tout va bien. Dominguez est ici. Il est à la tête du culte de Kukulkan. C'est contre eux que les rebelles d'Unuratu se battent. Hein? Il est là depuis des années. Les Trinitaires contrôlent Paititi. Oh. Je vais rejoindre l'œil du serpent. On doit trouver la boîte avant le prochain cataclysme. Mais dans tout ça, moi... Je suis pas du tout là où je veux. Yes. Yes, yes, yes. Moi, c'était là que je voulais aller. C'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis. Bonjour. Mais je peux pas t'aider. Je veux bien, mais je peux pas t'aider. Pas de quête. D'accord, alors. Au secours, pourquoi est-ce que ça se disperse en 12 milliards d'endroits, ces trucs? Pourquoi c'est grand? Pourquoi c'est si grand? Du bois. Là, je peux avoir plus de bois, hein. Effectivement. D'accord. Allez, on va par là. Normalement, il doit y avoir des trucs. C'est typique de l'adolescence. On repousse les limites. Ils sont en danger? Ah oui, les enfants lançaient des pierres, pas les gardes. N'est-ce pas? Ça y est, du coup, mon couteau... Ça y est, mon couteau, il peut me permettre d'aller à l'endroit où je pouvais pas aller tout à l'heure. Je suis pas dégoûté, quoi. Une radio portative démontée. Quelqu'un a démonté ce vieux talkie-walkie. Une tentative de rétro-ingénierie, peut-être? Du cuir. Je suis désolé à la personne qui avait entreposé ça ici, hein, mais on est passé par là. Ah, ok, ok. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un autre truc encore là-bas. De toute façon, il y a des trucs partout. On a compris. On a compris qu'il y avait des trucs partout. Oui, oui, alors... Oh là là. Oh là là. 12 milliards de trucs. « 86. » C'est une représentation de Viracocha, le père de la création. On y voit la façon dont il a créé les cieux, la terre, le soleil, les étoiles, la lune et le temps, ainsi que toutes les créatures vivantes, y compris les dieux. À l'origine, Viracocha était considéré comme le dieu suprême du panthéon inca, mais au fil du temps, cet honneur alla à son fils, Inti, le dieu soleil. Malgré tout, Viracocha conserva son lien avec l'océan, son nom signifiant écume de mer. Ok. Je viens de voir la durée de l'épisode. Je faisais pas gaffe, hein. Je faisais pas gaffe. Pour moi, tout allait bien, on est rentré dans Paititi à 30 minutes. Ça faisait 30 minutes qu'on y était. Je me disais, ça va. Comment je vais là? Comment je vais ici, moi? Non, 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 non. Non, 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 non. Par contre, ça, non. Comment on va là, là? Hein. Par là. Ah bah d'accord. Déjà ça commence. Par contre, les chances que je meure noyé sont relativement élevées. Oh, j'ai cru que je pouvais pas l'ouvrir. En fait j'explore dans ce jeu, mais faut pas que j'explore, c'est ça le truc, c'est ça le message qu'on essaie de me faire passer. C'est arrête, progresse dans l'histoire, débloque les trucs qui te manquent, là, le crochet, l'ascenseur à cordes, qu'est-ce qui nous manque d'autre, le fusil à pompe, je sais pas, il doit nous manquer encore d'autres trucs, hein, j'imagine, mais... Et ensuite tu pourras fouiller, et ouvrir les coffres. Oui, bon, ça va, je me doute. Bon, normalement, il faut prendre plus sa respiration que ça, mais j'ai confiance en Lara. Hop. Et on récupère ça. De l'or. Ok. Donc on est presque bon, mais on a toujours pas eu cette... Ah ben non, mais la relique, l'autre relique... L'autre relique, je pense qu'on pourra pas l'avoir, que c'était de l'autre côté. Après, il y a encore des trucs là. Hein. Ouais. Ouais. Non mais au secours. Non mais on va pas... Non, non. Non. J'ai dit non. Ah oui, les herbes. On peut prendre les herbes, c'est vrai. Du coup, je pense plus. Toi, je sais pas si je t'ai parlé. Non. Mishmak pulik, tunichach, kunachtal, ichilial kajo. Ok. Ouais, je pense qu'il va être. Enfin, j'ai le sentiment qu'il va être important le Etzli, mais peut-être pas. Hein. La déesse Coatlicue, dont le nom signifie jupe de serpent, est représentée sous les traits d'une femme au buste opulent portant des serpents autour de la taille. On l'appelle également Tetewanan, la mère des dieux. Elle donna naissance à la lune et aux étoiles et eut plus de 400 enfants, dont le dieu soleil Witzilopochtli, dieu de la guerre. En plus d'être mère, elle est également la grande dévoreuse de toute vie. On dit qu'elle a été sacrifiée pour permettre l'avènement de notre ère. Yes. Ah, ça va, ça. Sympa, hein. Sympa l'art mythologique. Et monolithe débloqué, incroyable. Un jour, ça me servira. Enfin, quand on trouvera un monolithe, quoi. Ça c'est quoi? Ah ça c'est le grand plongeon, on s'amuse, tu sautes partout mais on a déjà raté des trucs, donc à mon avis on le fera jamais. Oui. Non mais bah, avançons légèrement et on va s'arrêter. Genre en gros allons activer la quête secondaire et sur les lieux du scénario quoi. Non, pardon. Le problème c'est que... Comment ça carte? Yes. Ah. Non mais comment je fais pour avancer? Par contre, moi je viens de là. Oui bon la caméra a du mal à suivre, ça lui en voulait pas. Mais il y avait un autre truc? Non, il n'y a pas d'autre truc. Yes. Moi, je me suis dit que le monolithe était par là, du coup, mais non. Même pas. Bon, le pré, le minerai de jade, on va pas s'en plaindre. Hein. Ok. Bon, en tout cas, ils ont rajouté une dimension politique, du coup, un petit peu... avec le culte de Kukulkan, qui est en fait le culte des Trinitaires. Et le monolithe. Il est là. Ça décrit quelque chose de proche. Des canaux alimentent en eau les zones arides du village et ils m'emportent au loin. Oh putain, c'est vrai. Oh putain. Oh putain, c'est vrai. J'avais oublié. J'avais oublié que... Alors les canaux qui emmènent les eaux putrides. Non mais... Est-ce qu'on devrait pas s'arrêter là? Oui, la réponse est oui, hein, évidemment. Sachez-le. Hein. D'accord. Mais... On va faire le secret du monolithe du coup. Et ensuite on s'arrête. La quête secondaire, on verra la prochaine fois, c'est pas grave. Hein. Pas très grave. Alors... Pour moi c'est ça, hein. Moi je suis ce canot et on va y aller, hein. On va trouver. Le problème c'est que déjà je me rappelle plus de toute l'énigme mais c'est pas grave. Est-ce qu'on est dans la bonne zone là? Déjà. Non c'est ça. Oui, on est dans la bonne zone. Ah oui, j'avais le monolithe, j'avais le truc. Les canaux apportent l'eau jusqu'aux parties putrides du village et ils me poussent au loin. Yes. Le problème c'est qu'après ça, il n'y a plus. Ah bah si, là. Ça devrait m'être utile. Du coup. Secret du monolithe trouvé. Nice. Bah voilà. C'est bon, j'avais peur que ce soit plus long que ça. Pourquoi il y a une grotte là? Pourquoi il y a un feu de camp? Non mais... Quand est-ce que ça s'arrête? Jamais, visiblement. Unuratu fendit la foule et s'approcha du trône, sans y prendre place. « Pourquoi croyons-nous encore à ces mensonges ?» demanda-t-elle à la foule. « C'est Kukulkan qui est le maître de cette cité, et je ne vais pas me contenter de sourire et de faire semblant. Je ne serai pas une marionnette qu'il peut parader. » Les gardes l'interrompirent et l'emmenèrent. Ensuite, ils avancèrent sur la foule, armes au poing, pour la disperser. Eh mais du coup... Comment ça? Parce que ça c'est en fait, ça c'est ce qui du coup il s'est passé il y a pas si longtemps que ça, en fait. Du coup Unuratu et Kukulkan, on sait qui c'est maintenant. En fait ouais, parce qu'il y a des documents il me semble effectivement qu'on en parlait de Kukulkan et Unuratu. Préparé au choc de cet endroit. Bref. Les habitants, leur histoire, tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont aujourd'hui. À l'écouter parler, Amaru, alias Dominguez, alias Kukulkan, ne cherche qu'à protéger Paititi. Mais j'ai vu tout ce qu'il est capable de faire. Tuer, torturer. Je dois l'arrêter. Yes, oui, pardon, je regardais les trucs. C'est des, plans de concentration, nanana. Il y avait un autre truc, il me semble, que je voulais prendre. Je crois que c'est... Ah, bon, allez, vas-y, on va prendre ça. Allez, plus d'animaux rares. Voilà. Et l'inventaire. Parce que... Pourquoi j'ai l'impression toujours d'avoir des trucs nouveaux? C'est quand même terrible. Ah, mais parce que j'ai dû acheter des trucs, non? Ça doit être ça, l'histoire. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais même plus. Le couteau. Non, on s'en fout. Pourquoi j'ai... Morsure du serpent. Pourquoi il y a un symbole là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que... Allô? Bon, on va dire qu'il est fort ce... On va prendre cet arc. Hein. Vous savez quoi, vu que je sais pas en quoi en penser... on va le tester. On le testera la prochaine fois, hein, mais... Vitesse de dégainage. Et la cadence de tir. Il n'a pas l'air ouf cet arc. Purifiez vos ennemis dans les flammes de Xibalba. Inflige des dégâts de feu accrus. Ah, mais il faut tirer des flèches de feu pour ça. Je crois. Bon, la B45. En fait, je vais cliquer dessus pour... Mais hein? Pourquoi il y a un symbole de tête de mort aussi? Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est terrible, ça fait une heure déjà. Bon, de toute façon... Vu qu'on est déjà à une heure, Voilà, sacoche, oui. Oui, très bien. Mais je peux faire la dernière amélioration, mais on s'en fout. Ah mais non, mais c'est juste, d'accord, c'est juste la zone. Oh, au secours. En fait, c'est juste la zone que ça améliore, mais d'accord. Genre, c'est plus une sorte d'effet de cils, quelque part. Ok. Vas-y, améliore ça. Mais voilà, au moins on utilise cette arme là, ouais. Non mais ça me paraît bien, hein, voilà. Écoutez, bref, on va s'arrêter là pour cet épisode, qui a déjà bien trop duré. La prochaine fois on ira vers le scénario, j'espère. Parce que je dis ça, hein, mais la tentation est grande. Les tentations sont nombreuses. Donc je dis qu'on va aller vers le scénario la prochaine fois, mais si ça se trouve, on va se balader encore pendant une heure et on va pas faire grand chose, quoi. Mais bon. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye. Tagin Mantatsku, Siboltikov, Bashanti Ulakov, Ukatov Kayanak, Shantiobi, Peimishbak, Kubeita Lupatal, Jetele Jantio, Kach Javeyo, Jankinekin Naitik in Putzul, Chenkainchak, Humpel Cheme, Kashiken Ichil, Lealkavhao, Helimetike, Baletulakal in Kustale, Wikuchiljane, Minhatchmalov, Kain Hetzech Beyo. Menunaj in Utzul, Tukultik Lailie. Nip Olal Ikil Awujiken, Beyin Wolukesab, Jab Alil in Tukule.